Première catégorie. Ah, Saria Bilari, il faut refaire une rame. A Singe, ma Rouen est rabafé, ma Sibou est rafafé, Faret Tifé, Hanamara Farati Malifé, Tifé Mire Kanke, Nare Saria Nyerma, Guinée Madoutum Fé, Anakiawali Noné, A Saria Bilari, il faut renier Namabe. Et le parquet vous a fait venir ici pour apporter votre témoignage sur ces faits, sur la personnalité de nos clients, sur l'existence de ces infractions. Qu'est-ce qu'il sait de la commission de ces infractions-là? Parquet Farid Nanama, il va témoigner, il va tisser de Nyoroya Araba, n'a que Wali, n'a qu'Anarema, et un maquillé contre Narenabi. Et monsieur Koulou Nakui. Non, Koulou, ce que je connais, c'est ce que j'ai expliqué. Oui, mais tout ce que vous avez expliqué, c'est comme de la littérature ou de la philosophie ou de l'histoire. Une autre question, c'est au tribunal d'apprécier tout ça. D'accord. À quel moment vous avez vu un de nos clients ici, de façon générale, donner des coups et blessures volontaires, Asingé, comme vous êtes le témoin du parquet? Bah, c'est le royaume. Yeyamabe, indeto, ana miri makona firama, ana miri dimfe, naka findabe, fendendera. Là, nous avons exigé dans Colomb. Tantôt Arabama. Très bien. J'ai l'instruction voilà. Que moi je connais. Je n'ai pas vu quelqu'un en train de faire. C'est bon. Très bien. Ce qui signifie que votre présence ici ne se justifie pas. C'est au tribunal d'apprécier ça. D'accord. Parmi les personnes qui sont poursuivies, à quel moment vous avez vu une d'entre elles violer et piller en réunion ou en bande? Je me réunirai bien, ça y a bien d'arrêt, bien fort, bien détourbé. En Guinée, ma doute, je vais faire un amara, en bafé, et ma langue, en Amérique, Kassara, et Amérique, Kazan. Relativement aux événements du 28, je précise, 28 septembre, l'Oroi. Mon nom, vous aurez le stade, moi, c'est une dingue. Hein? Vous aurez le stade, Yatma. Je suis même pas rentré au stade, j'étais le passage. À qui, parmi eux, vous pouvez imputer ces infractions? Et fait un homme voilà, qui n'a pas sa dîne de roumaïe, il y a ma bien. Je connais le président de la République parce qu'il connaît tout. C'est le président de la République qui connaît tout. Très bien. C'est comme vous aussi, vous connaissez tout. Allô, Ifanta, Birinkolo. Allô, Ifanta, Birinkolo. Non, Ifanta, Birinkolo. Oui, mais c'est ce que je connais. C'est ce que est-ce que vous savez que le peu que vous connaissez, vous devez être le premier à être mis aux arrêts? Arrêt, Colon. Il n'a rien dit Colon, on a qui a l'âme, mais il reste signé dans ce rond. Une autre question. Maître. Assassinat. Qui vous avez vu ici en train de donner la mort directement ou de façon préméditée? Une des tobi à Mérifare. Arakela, à Mérifare, Hanamara, afin de dire à Mérifare, il y a Yam. Non, je n'ai pas vu cette personne-là. Très bien. Donc votre témoignage n'a servi à rien. Ensuite, incendie volontaire. Parmi eux, ici, comme vous connaissez tout, qu'est-ce que vous avez vu en train d'incendier les boutiques, les maisons, les propriétés d'autrui, privées ou publiques? T'es sauvé, Miré Rouanida. Y'a bien y'a ma bien de tout, y'a Miré Rau, boutique Gamma, Ranmouira, Bangri, Ranmouira, Yira Sindi. Non. Non. Très bien. Donc votre témoignage n'a servi à rien. Ensuite, parmi eux, qu'est-ce que vous avez vu ici en train de voler à main armée? Une des tourbées en amoniaque qui fait face à l'ifunkari sur Aïra et Yama. Non, même du tout. Non, je n'ai pas vu quelqu'un. Bien. Parmi eux, qui est-ce qu'il a vu en train de donner des coups et blessures volontaires à des manifestants? Une des tourbées, un manifestant de la Bourou Rama, fin de la Barra, Hara, Makono. Une autre question, c'est bien. Vous l'avez déjà demandé. Alors. Parmi eux, qui a attenté à la pudeur? Je n'ai vu personne. Très bien. Parmi eux, qui est-ce que tu as vu détenir des armes et matériel de guerre de première catégorie? Une des tobiers. Masibo Seyera Souraï da Funkari. Alors Funkari Singe, on n'a pas de tout manaki. N'a pas de nom à son débat avec. N'a pas de nom à son débat avec.
C'est les militaires, je les ai vus avec les armes, mais au moment pour aller faire l'action, je n'ai pas vu ça. Bien, donc on peut conclure que vous ne pouvez apporter aucun témoignage sur les infractions reprochées. Oui ou non? Non. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai dit. Très bien. Monsieur Touré, oui, maître. Si tel est le cas, si on se met dans votre logique, est-ce qu'on peut vous qualifier alors de complice de ces infractions? Une autre question. Bien. Monsieur Touré, vous aimez toujours revenir sur ça. Est-ce que vous avez séjourné une fois à l'hôpital? Est-ce que... Une autre question. Précisément à la psychiatrie. Une autre question. Pas d'attaque, s'il vous plaît. Très bien, monsieur le président. Pas d'attaque. Très bien. Alors, monsieur le président, je pense avoir épuisé mes questionnaires. J'ai une demande à formuler, mais le moment venu, je formulerai cette demande après son passage. Je vous remercie. Monsieur les assesseurs, je vous remercie. Merci à monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur le Président, je vais profiter de votre patience que vous allez m'accorder et je souhaite exposer une demande. En attendant l'examen de cette demande que je vais vous présenter tout à l'heure, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez des questions d'abord? Monsieur le Président, des questions. C'est le moment crucial parce que cela y va dans l'intérêt de la défense de mon client et face à M. Youssouf Touré, ici présent, cette demande est relative à sa déposition. Je suis une partie au procès, je sollicite une demande. Je vous ai demandé, vous n'avez pas répondu à ma question, est-ce que vous avez d'abord des questions? Je m'abstiendrai pour le moment. C'est suite à l'examen de ma demande que je viendrai, saurai effectivement l'opportunité de poser des questions à M. Youssouf Touré. Allez-y alors. Bien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je commencerai tout d'abord à rappeler que M. Youssouf Touré, ici présent, en qualité de témoin, a fait l'objet d'une condamnation par décision judiciaire rendue par le tribunal de première instance. Allez-y avec la demande, s'il vous plaît. Monsieur le Président, ça y va dedans. Si vous ne partez pas avec la demande, je serai obligé de vous retirer la parole. Vous voulez faire une demande, allez-y. C'est une demande, Monsieur le Président, que je viens. Allez-y avec la demande, s'il vous plaît. D'accord. Ne tergiversez pas. Alors, Monsieur le Président, j'ai écouté avec intérêt depuis la première déposition de M. Youssouf Touré ici à cette barre concernant les événements du 28 septembre et les questions différentes respectivement à lui poser, les différentes réponses qu'il a données. Monsieur le Président, je m'en vais dire à ce niveau que M. Youssouf Touré, par rapport à la défense de colonel Abdoulaye Chérif Diaby, j'émets un doute quant à la capacité de ses facultés mentales. S'il vous plaît, c'est allez-y. S'il vous plaît. Monsieur le Président. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Ça fait la deuxième fois. Tout ce que M. Youssouf Touré, qui comparaît ici en tant que témoin, est en train de dire, c'est au tribunal d'apprécier. D'accord. Si vous avez des suggestions à faire, attendez dans votre plaidoirie. Dans votre plaidoirie, bien sûr, vous aurez tout le temps de dire tout ce que vous avez sur les déclarations du témoin. Mais pour le moment, c'est la phase des questions. Vous avez une demande, je vous bien laisse sûr faire la demande. Allez-y directement avec votre demande. D'accord. Oui. Comme il a dit ainsi, Monsieur le Président, sur le fondement des dispositions des articles 258, 259, 260 et suivants du Code de procédure pénale, avec votre permission, je m'en vais faire lecture du premier article. Bien. Section 10 de l'expertise, l'article 258. Toute juridiction d'instruction ou de jugement, comme la vôtre, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut,
soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait voir posées à l'expert. Monsieur le Président, avant de continuer sur les dispositions suivantes, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a la nécessité de connaître l'état mental de M. Youssouf Touré. Et puisque votre juridiction, les parties ici présentes, en l'occurrence le parquet, les parties civiles, la défense, nous ne sommes pas des experts en la matière pour apprécier l'état de santé mentale de Youssouf Touré. Il faut un expert. Et puisque c'est vous qui avez l'impérium, la possibilité de désigner un expert en la matière, nous estimons, en tout cas, pour la défense de colonel Diaby, en tout cas, pour les questions qui pourront être posées à Youssouf Touré, je souhaite que cette question technique soit réglée par une décision avant dit droit, commettre un expert pour connaître l'état de santé mentale de Youssouf Touré, pour des raisons très simples. Depuis le début de ces déclarations, en passant par des questions-réponses, Youssouf Touré, ici présent, Monsieur le Président, est en train de vous présenter des incohérences inédites, des balivernes, des propos sans intérêt, sans vérité, au point d'être confus aujourd'hui, non seulement l'opinion nationale, mais l'opinion internationale, quant à la véracité de ces propos. Nous vous prions, et je vous prie respectueusement, Monsieur le Président, d'apprécier cette demande en commettant un expert par un jugement. Avant du droit, cet expert, lorsqu'il va vous présenter un rapport médical, je précise que cet expert, vous n'êtes pas tenu obligé que l'intéressé soit sur la liste des experts médecins, comme le prévoit l'article 259 du Code de procédure pénale. Vous pouvez directement exercer l'article 260 qui dispose. Bon, est-ce qu'on peut s'arrêter là parce qu'on connaît des chiffres. Je finis, on connaît des, s'il vous plaît. Je finis, s'il vous plaît, avec votre permission. Nous connaissons déjà votre demande. Oui, mais c'est important de le préciser. L'article 260. D'abord, 259, les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour suprême ou sur une liste ou sur une des listes dressées par les cours d'appel. Ils sont choisis sur des listes dressées par la Cour d'appel, le procureur général entendu. L'article 260, à titre exceptionnel, comme ça peut être le cas, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes. Les modalités d'inscription sur ces listes et de radiation sont fixées par arrêté du ministre de la Justice. Monsieur le Président, votre décision quant à la situation mentale de Youssouf Touré s'avère nécessaire. En tout cas, à mon point de vue, c'est une demande imparable. Votre juridiction, je vous la soumets avec humilité, avec respect et avec confiance. En attendant cet examen de cette demande, je m'abstiendrai à poser des questions à Youssouf Touré que je qualifie d'incapable. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Touré, asseyez-vous. Ministère public, sur la demande, si vous avez quelque chose à dire. Merci, Monsieur le Président. Venant de suivre la demande formulée par le conseil du colonel Abdullah Chérif Diaby relativement à ce qu'il a appelé l'état mental de M. Youssouf Touré dit Joly, en demandant à votre juridiction de commettre un expert à l'effet d'examiner l'état mental de M. Youssouf Touré, et ce, sur les fondements des dispositions des articles 258 d'abord, 259 et 260.
Dans son développement, Monsieur le Président, ce que j'ai retenu, c'est que les déclarations de Monsieur Youssouf Touré, à ses yeux, sont incohérentes. Donc, du début de sa narration jusque-là, ces déclarations, au dire du Conseil, sont incohérentes. Monsieur le Président, cette demande est sans objet. Elle est sans objet parce que, comme vous le rappelez à tout moment, les questions, c'est nous les parties qui les posons, mais les réponses sont pour le tribunal. Il aurait fallu à l'avocat concerné d'attendre lors de sa plaidoirie pour vous dire que tout ce que M. Youssouf Touré dit joli a fait ici est sans objet. Mieux, M. le Président, le témoin qui comparaît n'a à date manifesté aucun signe, je m'excuse, de démence pour arriver à la conclusion que c'est un aliéné mental pour lequel votre juridiction devait commettre un expert à l'effet d'examiner son état psychique afin de voir la quintessence de ce qu'il nous dit par rapport aux faits pour lesquels les accusés comparaissent à la barre de votre tribunal. Donc, Monsieur le Président, j'ai dit que la question est sans objet et la conséquence que nous voudrions que vous tiriez, c'est de la rejeter purement et simplement et vous ordonner la continuation de la déposition du témoin qui comparaît à la barre de votre tribunal. Je vous remercie. Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Je crois que la panique s'est emparée de la défense du colonel. Mais qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président, d'abord, l'article qu'il a cité, c'est une faculté. Ça, c'est le premier point à relever. Deuxièmement, Monsieur le Président, en tout cas, de notre point de vue, Monsieur Touré n'a manifesté aucun trouble ici. Il n'a insulté personne. Il ne s'est pas trompé les différentes portes pour accéder à cette salle. Et c'est un père de famille qui a une famille. Dans son quartier, il n'y a jamais eu une quelconque plainte d'un quelconque citoyen faisant état d'un trouble mental dont il aurait manifesté. Monsieur le Président, moi je pense qu'on est en train de perdre du temps. Et parler d'incohérence, peut-être c'est à son niveau. Nous, tout ce que Monsieur Touré vient de déclarer ici a une cohérence certaine. Son récit ne souffre d'aucune ambiguïté. Maintenant, si ce récit-là embête la défense du colonel, mais cela ne nous intéresse pas. Monsieur le Président, cette demande est sans objet et n'a aucun aspect, ne peut apporter aucun élément dans ce débat. C'est pourquoi nous sollicitons respectueusement qu'il vous plaise, rejeter cette demande et surtout continuer l'audition de M. Youssouf Touré à cette barre qui a apporté tellement d'éléments à cette affaire que nous nous réjouissons. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le tribunal va délibérer. Voilà, après avoir délibéré, le tribunal rejette cette demande et ordonne la continuation de l'audition, de la déposition du témoin. Monsieur Touré. Merci, Monsieur le Président, honorable membre de ce tribunal criminel. Monsieur Oumar Youssouf Touré, alias Joly. Youssouf Touré. Sur la liste des témoins, vous êtes au 32e position. Il est dit administrateur civil. Oui. Domicilié au quartier Hamdalay. Oui. Téléphone 661-83-30-31. Oui. 621-97-80-03. Oui. OK. Monsieur Youssouf Touré alias Joly,
Est-ce que depuis l'ouverture de ce procès, vous avez suivi à la télé ou sur les réseaux sociaux ce procès? Depuis Kewali Nagafolo. Khabaray Kewali Mato, réseaux sociaux, Makanamara, télévision. Ah, d'intam, ça ne m'intéresse même pas. Je n'ai pas ce temps pour regarder ça. Ok. Monsieur Touré alias Joli. Oui, maître. Vos histoires de sacrifice du sang humain pour garder le pouvoir, fréquentation des sciences occultes, il fallait tuer beaucoup de citoyens pour garder le pouvoir. Et selon vos dires ici, les militaires ont quitté devant vous pour être au stade. Sur votre silence, sur un crime imminent, est-ce que vous n'êtes pas responsable de ces événements? Ou l'un des responsables? Mangaya Rama Bambang, Anon Yisera Dongo et Birim Bafe, et un ne Birim Colomfe. If a loosonon, Imumara Coloniti, Erama Asari et Munara Tongue, Musari et Kanarmani. Ah, Tangamara Colinti Ramfara. Ah, informé, ils vont me tuer. Le président de la République lui-même, il connaît. Le président de la République lui-même, il connaît. Je parle de l'équipe qui partait avec les miliciens qui partaient au stade. Et tout est préparé pour tuer. Même monsieur le procureur, il fallait l'informer pour dire attention, on a préparé des dégâts, on a prévu de massacrer les citoyens au stade. Votre silence sur un crime, pour vous, ce n'est pas une infraction? Alors, l'équipe n'a pas qualifié, fait au stade, il fallait qu'il n'y ait pas. Un homme qui a été colonisé, le procureur, il a été fait en main. En yaroma akanari khamuna ki krimo amunara ntanya netemi ne nu gardir. En ce moment je dis que je t'ai gardé. Ntamuna na ronsa sabdade. C'est pas moi qui suis responsable de ça. C'est le président de la République. C'est le président de la République. Parce que t'en a bien organisé. C'est lui qui a organisé tout. Non. Ma, comment vous voyez? C'est le président si je me fais comprendre. Est-ce qu'il n'a pas l'obligation d'informer dès lors qu'il est informé d'un crime de la commission d'une infraction criminelle? Je pense que vous n'avez pas attendu que l'interprète finisse d'interpréter. Mm-hmm. Est-ce non, parce que je pense que votre question, il a répondu à la fin à votre question. Okay. L'interprète n'avait pas fini. En arabe, est-ce que imuno mamara kolonitide? Moi, je vais aller informer, faire l'information où? En ce moment, moi, je prends un otage. En ce moment, moi, j'étais pris en otage. J'avais des gardes qui me suivaient. Avec son pouvoir. D'aller à l'autorité pour dire le président a envoyé ces gens ici avec son pouvoir. Enlevez votre doigt. Mais c'est le président qui enlève son index sur moi. Ça ne se fait pas. Il ne doit pas m'indexer. Monsieur Touré, je vous ai dit, adressez-vous au tribunal. D'accord, monsieur le président. Voilà. Vous connaissez tous vos droits. Non, monsieur Touré, est-ce que vous connaissez parmi toutes les victimes des événements de 28 septembre, vous connaissez une seule victime? Guy Fé n'a pas de tangiri. La tégétoe, Massibo Toué n'a rien, Massibo Sor. Guy Fé qui, Ikirim Koulé Yama. Ah. Moi, je ne connais personne. Et vous connaissez une seule infraction dont vous êtes témoin? Canari Kering, il n'a pas de barre, il n'a pas de Nana, Canari n'a pas de mafie, il n'a au stade, bien sûr, au stade. Canari n'a pas de barre, terrema. Monsieur le président, je vais répondre. Allez-y. Canari mura banyawori mbana expliquer même une fois. Je vous dis qu'il n'y a pas eu ces dégâts devant moi. Non, les infractions, vous pouvez les énumérer. Qu'on a une rassare rumma. Canari n'a rien sur le stade. Canari n'a rien sur le rumma. Et tant Canari colon, il a répondu à ça. Ok, monsieur le président, on peut continuer. Je veux savoir l'histoire de votre surnom Joli, avec la permission du tribunal.
Pourquoi Algérie? Ça n'a pas de sens. Ah, mais c'est important, monsieur le président. Ça fait partie de sa personnalité. Le mot joli, alias joli, pourquoi? Une autre question, s'il vous plaît. Ah, ok. Sur l'ordre du tribunal, pas de problème. Je peux connaître, parce qu'il est dit au point 32, et M. Oumar Youssouf Touré, alias Joli, administrateur civil, là. Vous travaillez dans quel ministère? Un welfare ministère, Mondo. Même si vous quittez le ici, là, c'est le pas le ministère. Un ministère. Vous êtes administrateur civil dans quel service? Administrateur civil, service Mundo. Ministère de la fonction publique. Fonction publique. Fonction publique. Avec la permission du tribunal, est-ce qu'on peut connaître votre niveau d'études? Une autre question. En tant qu'administrateur, il faut un traducteur. En tant que On a longuement parlé de ah, ça. Ah, ok. Ici. Longuement. Je pardonne le tribunal. Je continue. Au ministère de la fonction publique, vous êtes dans quelle direction là-bas? Votre poste. Une autre question. Décidément, je lis. Je peux connaître votre matricule en tant que fonctionnaire? Une autre question. Monsieur le Président, votre accès à la fonction publique, c'est par concours ou bien par autre voie? Une autre question. Monsieur le Président, si on ne peut pas... Ok. Je ne vais pas rentrer en discussion avec le tribunal. Je peux connaître votre âge en 2009, au moment des faits? Il n'y a eu en 2009. Ah... Moi, je suis né en 1983, le 31 décembre. 83. Il est né en 83. Oui. En 2009. 31 décembre, 83. En date de naissance. Ah, même pas la fin. Non. 83, 2009. Maître Lassine, vous pouvez me dire. Je veux connaître son âge au moment des faits. Maître. Une autre question, s'il vous plaît. Non, monsieur le président, c'est important. Je veux connaître son âge. Mais il vous a dit sa date de naissance. Calculez vous-même, maître. À peu près, je lis, vous avez 26 ans. À l'époque, vous étiez marié. Une autre question. Monsieur Joli, monsieur Touré dit Joli. Oui, maître. Vous-même, est-ce que vous pratiquez la pratique divinatoire? La science occulte. La pratique divinatoire. D'élimination. Jouer au Kori. Fréquenter des marabouts lui-même, est-ce que lui-même n'est pas un professionnel de la science occulte? Je veux connaître. La pratique divinatoire, je parle français. Lui-même, est-ce que vous n'êtes pas spécialiste de ça? Moi, je vais poser une autre question, je ne réponds pas à ça. Non, vous jouez au Kori, oui non? Il n'y a pas bon moment. Bon, Kori. Et le maraboutage. Non, si c'est vrai ou faux. Partout où vous voulez. Bon, moi je sais comment je suis. Voilà. Vous pouvez me traiter de fou. Moi fou. Ah non, c'est pas possible. Comme je dis la vérité, fou maintenant. C'est bon, s'il vous plaît. C'est aussi simple. Vous jouez Kori ou non? Il a dit non, il a répondu. Et du maraboutage. Il a dit, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qu'il y a en général, globalement. Regardez le tribunal, moi je ne veux pas voir le jury. Comme moi aussi, je ne veux pas vous voir. Voilà. C'est de bonne guerre.
et d'autres sciences occultes, être animiste, fréquenter des animistes. Bon, ça n'a pas de sens. Une autre question. C'est important, monsieur le président, tout tourne autour de ça. Une autre question, s'il vous plaît. Bon, si vous n'êtes pas dans la pratique divinatoire, pourquoi on passe par vous pour voir les marabouts du game souris ou autre? Khazali tamunana mandru fi ama musari dangi metama giom soro tofi mina ka sor tofi kana mara na mandru le tofi. Ah, c'est le président qui présente en train de se y pétrabiri. C'est le président qui m'a introduit dans ça. Laissez des dits tranquilles. Vous, pourquoi vous êtes élément essentiel pour accéder à tel marabout, pour accéder à l'Indien, pour accéder au fétichisme de Guillaume Soro? C'est vous que je demande. Je ne réponds pas. Ah non, libre à vous. Vous êtes qui si vous n'êtes pas dans la pratique maintenant? Je dis, je ne réponds pas. Voilà, le tribunal sera apprécié. Après ça, alors. Voilà. Vous ne pouvez pas être loin de cela et on passe par vous. Une autre question, s'il vous plaît. Le tribunal sera apprécié. Appréciable. Quand vous vous approchez trop, vous vous prononcez avec haine, un peu de fougue et de force. Est-ce que vous n'avez pas de haine contre Dadis et autres? Est-ce que vous avez des gens qui ont été en train de se faire? Non, il y a des gens. C'est lui qui va tenter, nous faire faire avec le maître qui est assis comme ça, avec maître Adil. Moi, Dieu. La haine que j'ai, comme ils ont tenté avec le maître Keta pour me tuer, c'est ça. Amato, tu es en train de me dire, est-ce que tu es en train? Tous ceux qui sont venus ici, est-ce qu'ils ont parlé de moi? C'est bon. Alors, et pourtant, l'article 424 dit au point 4 que vous devez prêtez serment, vous faites votre déclaration sans haine, sans contrainte. Si vous avez déjà de la haine, ça veut dire que vos propos ne peuvent plus tenir, oui ou non, selon la teneur de l'article 424. Sans haine, sans crainte. Moi, je suis avec non. Dieu. Voilà. Vous avez dit que vous avez de la haine. Il n'a rien à voir avec moi. La haine que j'ai. Attends. Vous ne pouvez pas me tromper. Vous ne pouvez pas me dire d'attendre. C'est le tribunal qui peut me dire. Ça, t'es très petit. Non. Pour me tromper. Monsieur le président. Vous avez entendu que ce tribunal. Vous savez, c'est. Vous rendez la tâche difficile pour le tribunal. Ah non, monsieur le président. Si vous engagez une discussion, quand le témoin est en train de parler, vous parlez, ou bien c'est l'interprète qui parle, vous parlez, au même moment, ça va être compliqué pour le tribunal. C'est pourquoi je dis, quand vous posez des questions, attendez jusqu'à ce qu'on finisse. Après, maintenant, vous posez une autre question. Mais si vous transformez en discussion, ça va être compliqué même pour le tribunal. Monsieur le président, c'est loin des discussions. Il peut me dire, je suis très petit dedans. Monsieur le Président, appréciez. Si je lui peux me traiter de petit, ni en âge, ni le sens et l'honneur de ma robe. Monsieur Touré, je vous ai dit de vous calmer et de patienter, d'attendre les questions. Je vous ai même dit de faire face au tribunal. Je vous ai dit également que vous n'avez pas forcément besoin de regarder les conseils quand ils sont en train de poser des questions ou bien quand vous êtes en train de les répondre. D'accord, monsieur le président. Alors, retirez ce que vous avez dit au conseil. Je me retire des mots là. Administrateur, je me retire les mots. On évolue, c'est pas grave. Maître, aide-moi. Bon, vous avez vu, malgré tout ça, vous. Non, monsieur le président, pardonnez, on va évoluer. C'est pourquoi je dis que si vous me rendez la tâche très difficile. Ah, et mes calfis même sont. Allez-y très avec petits. Les questions. Voilà.
Je peux savoir, M. Joly, si vous êtes marié, vous avez combien d'enfants? Une autre question. Monsieur le Président, c'est important. Ça fait partie très respectueusement. S'il peut me répondre avec votre permission. Une autre question, on va évoluer. Ah, ok. Monsieur Touré dit Joly, quand on voit votre page Facebook, vous avez dit que vous êtes célibataire. Et ici, vous avez dit que vous êtes marié. Se trouve la vérité. Une autre question. Alors, ça veut dire soit une contre-vérité. Monsieur Touré. Oui, maître. Vous êtes marié ici et sur votre page Facebook, vous dites que vous êtes célibataire. N'insistez pas. Mais non, pardonnez-moi, monsieur le président. Pardonnez-moi, je vais vous lire. Monsieur Youssouf Touré, alias Joly, vous dites présentement, vous êtes domicilié où? Maître, oui. Reprenez pour moi. Présentement, il est domicilié où? Guilherme Mindé. Il dort Mindé. Amdallah. Amdallah. Et souvent, vous faites allusion à la danse. Et un collègue, Faririne. Il s'agit de quelle danse? L'heure bien, et Falama, nous collons au Farine, Farine modèle Mundou. Je ne réponds pas avec cette question-là. Donc, vous êtes un danseur professionnel aussi, en sus de votre qualité d'administrateur? Non, non, qui fait beaucoup de choses. Une autre question. Monsieur le Président, je vais vous lire. Et, Monsieur Touré Joly. Oui, maître. En 2009, je peux connaître votre numéro de téléphone? C'est un numéro 2009. Ah, non, mon colonne. Non, mon numéro. Non, j'ai oublié ça, il y a longtemps. Il rien que l'opérateur. Opérateur, tant au moins. Orange dans Nara. C'était Orange. 23. 600? Non, 600 Marne, 23. 23. Voilà, on t'a entendu comme ça. Ça, je me suis trompé. 23 tout court. 23 tout. Et président Nana Souni. C'est le président qui m'a donné ça. Et c'est un opérateur qui commence à gagner par 23. Maître DS me regarde, peut-être il va dire le contraire. À opérateur de la Nampolo 23. J'ai répondu à cette question. On peut tirer l'historique, hein, parce que l'ensemble de vos appels là, on peut l'historique, la science peut nous ramener. Ok, je vais évoluer pour ne pas. Et Monsieur Touré, vous pouvez me dire, Youssouf Touré, alias Joly, bien sûr. Oui. Que à la réponse à Maître Dina Sampil, que vous avez passé la journée du 28 septembre 2009 à Matam, c'est votre frère. Et avec Maître Béa, vous avez dit que les militaires ont fait effectué le départ devant vous. Est-ce que ça c'est possible d'être passé la journée à Matam et être au camp au même moment? Maître Dina Yabima. Il y a un peu de matam. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. J'ai expliqué plusieurs fois. Répondre à cette question, je ne réponds pas à ça. J'ai déjà expliqué ça. Je ne réponds pas à ça. Vous avez dit à Maître Sampil à l'époque que vous êtes domicilié chez votre frère à Matam. Et vous avez répondu à Maître Béa que vous avez un domicile au camp, que vous étiez logé au camp. C'est possible? Et non, Maître Béa, Maître Sampil, il nous a été arrangé matin. Il m'a dit qu'il y avait un camp. Non, Marabadi. Vous avez dit Maître Dina Sampil à la première rencontre? Non, je ne parle pas. Monsieur le Président, il ne veut pas qu'il m'amène loin. Bon, vous voyez, laissez-le répondre. Ce n'est pas une réponse, il veut m'envoyer loin encore. Si vous pouviez comprendre. Ah, ok. Vous avez posé une question. Oui. Laissez le témoin répondre, s'il vous plaît. Ok. Je vais avoir la patience. Voilà. Vous avez dit à Maître Sampil que vous êtes domicilié à Matam, c'est votre frère. Il a Maître Sampil, Maître Béa, dans votre discussion, que vous êtes domicilié au camp. Vous allez avoir au même moment les deux domiciles. Maître. La vérité. Est-ce que je m'en dis à Moussera?
C'est la manière dont vous vous dites, c'est pas de cette manière là. La première rencontre avec Maître Dina Sampil, j'étais à Amdalay. Le procès là avait même commencé. Au temps de CND, j'étais à Matam, j'étais chez ma soeur, j'ai quitté. Moi-même, je me suis trouvé un logement. Ce qu'il veut savoir, il dit que vous avez dit à Maître Dina Sampil que le 28 septembre, la journée, vous étiez à Matam. C'est ce qui s'est passé dans la salle ici. Que vous lui avez dit le 28 septembre, vous étiez à Matam. Et que vous venez de dire à Maître Béa que la journée du 28 septembre, vous étiez au camp. Est-ce que ce jour, vous pouviez être à la même heure et au même endroit? Aux deux endroits du monde. Maître, je vais vous répondre. Au moment que j'ai rencontré le président, mon domicile c'était Matam. Après, le président m'a donné un logement à Kalfaya. Et m'ont logé dans le bâtiment de l'étang Founi. Donc, c'est là-bas en ce moment qu'ils m'ont dit de ne pas aller voir ma famille, de rester jusqu'à la fin de ma mission. C'est ce que j'ai expliqué. Est-ce que votre question a été répondue ou bien qu'est-ce que vous voulez savoir? Il est loin de la réponse. C'est-à-dire la journée, lui parle de... Moi, je parle de la journée du 28. Attends, 28, yanginam. Avec Maître Béa, les recrues de Kalia, leur départ, les militaires, ils ont quitté devant vous. Vous étiez au camp. Maître Béa, tanga, ma kori yabi. Vous avez dit que vous avez été avec un Indien jusqu'à... Celui-ci a disparu. Vous avez dit à Maître Sampil que vous avez passé la journée à Matam. Ça ne marche plus. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Makambo m'a appelé, je jouais aux dames. Est-ce que vous parlez de la journée du 28 septembre? Parce qu'il y a eu 28 septembre, 28 septembre, fin. Non. Ça, c'est l'affaire de Koundara. Bon, s'il vous plaît, ce qu'il veut savoir, la journée du 28 septembre, que vous avez dit à Maître Dina Sampil, que ce jour vous étiez à Matam. Il est le 28 septembre, Maître Dina Sampil, ben alors ouais, en Matam. C'est pas, on ne parle pas de votre logement. Il a logement raffermardé. Il est en ou na Matam, Maître Dina Sampil, ben. Est-ce que vous comprenez? On ne parle pas de votre logement. Il parle d'affaires, il a logement raffermardé. C'est-à-dire que vous étiez en ce moment à Matam. Alors ouais, na l'heure ben, il est en Matam. Et que vous avez dit à Maître Béa que le même jour vous étiez au camp. Et que les recrues ont pris le départ devant vous. C'est ce qu'il veut savoir. Ouais, mais je ne suis même pas rentré chez moi. Parce que j'avais les gardes. C'est de là-bas que j'ai quitté. Je suis monté sur Kenyan. Je suis parti monter sur Kalfaya. C'était pour. Je suis prêt à partir. Donc, ils ont dit maintenant d'aller. À ce moment-là, ils ont donné l'instruction là. Cette communication-là s'est passée en ce moment. Je suis parti comme ça, on m'a donné de l'argent. Monsieur le Président, sous le fond de l'article 426, si on peut noter au greffe la variation de. Je pense qu'il est en train de répondre à votre question. Peut-être que vous ne vous comprenez pas, mais il est en train de répondre à votre question. Oui, avec la permission du tribunal, je voudrais passer... Bon, le tribunal va noter des variations si le tribunal même constate qu'il y a des variations. C'est ce que je dis, il est en train de répondre à votre question. Oui, il n'a qu'à terminer parce qu'il y a... Parce que le tribunal ne constate pas de variations pour le moment. Pourquoi je veux que vous vous compreniez, c'est pourquoi j'interviens. Pourquoi la journée du 28, il a dit à M. Sampil qu'il a passé la journée sur son frère à Matam. À partir du moment où aujourd'hui il a dit qu'il n'a jamais été à Matam ce jour, c'est une variation.
Est-ce que la journée du 28 septembre, vous avez été à Matam? 28 septembre, fin yukui. Est-ce qu'on est Matam? Ah. Non, je suis passé. Je ne suis pas rentré dans la maison. C'est la même explication qu'il a donnée à Maître Dina Sampil. Vous pouvez revoir. Je ne vais pas discuter avec le tribunal, mais il a dit, même avec Maître Béa, il a dit qu'il n'est pas rentré au stade. Après, quand lundi a disparu, il est parti à la maison. Bon, on va évoluer. Il ne faut pas qu'on suive joli avec de telles importances. On va aller. Et vous avez encore déclaré ici, monsieur Joly, que je veux savoir depuis quand vous connaissez le commandant Marcel Guilavogui. Non, ma commande le commandant Marcel Guilavogui que l'on a l'air d'arrêt. Commandant Marcel, avant de le connaître même, j'ai entendu son nom. Ma grande Ousmane Conté là. J'ai entendu son nom de mon grand Ousmane Conté. Parce que Ousmane Conté fait un café, à côté président d'Alice Tongo, il a nommé comme des chefs de village du forêt. Comme Ousmane Conté se battait pour qu'on nomme président d'Alice comme chef du village de forêt. Pour faire au plan PV. Pour affaiblir Koffran Pivi. Après, en ce moment, on va même en assainir sa Koffran Pivi, ton roi, et fait sa nommer comme le chef de village de forêt. Maître, vous ne dirigez pas les débats là, s'il vous plaît. Suivez. Il est en train de donner des explications. Suivez. C'est Marcel qui a envoyé Koffran pour être nommé chef de village de la forêt. Après, Ousmane Koffran va quitter son nom. Et Rakater a namassé Abba namassé Riman. Et Rakater a rassuré Réseau Yama. Il dit qu'il a entendu parler de ce Marcel-là, de se faire tout, de le faire introduire dans le réseau. C'est bon. Voilà. Depuis quand vous avez fait connaissance et comment? C'est aussi simple. Marcel, c'est ce qu'il était en train d'expliquer, mais vous n'avez pas pris la patience de le savoir. La narration d'autres faits. Une autre question alors. Ah, c'est fondamental, monsieur le président. Oui, parce que vous prenez tout votre temps, vous posez des questions. Mais quand il est en train d'expliquer... Je ne sais pas. Vous voulez le circonscrire dans ses réponses. Faire ce qui la n'est pas possible. De Marcel, depuis quand il va nous amener loin? C'est ça qui n'est Allez-y pas normal. Allez-y avec une autre question. Voilà. Depuis quand vous avez fait la connaissance du colonel Claude Pivi, Granco? Granco, et dans quelles circonstances? Granco, tant que l'on première déclaration, il a dû en réclamer en 2007. Quand ils sont sortis, il a fait la première déclaration. En réclamant leurs droits en 2005, ils venaient dans le bureau de mon patron, à Safoulé, dans son domicile, étant le président d'Addis même. Avec le président d'Addis. C'est bon. Et son bras droit, avec. Est-ce que vous connaissez, vous avez fait la connaissance du colonel Toupou, son conseiller. Avec colonel Toupou Colon. Toupou. Toupou. Oui. Non, je ne le connais pas. Hein. Okay. Et est-ce que, monsieur Joly, oui, maître. Je veux, avec des questions de précision, je veux savoir si, parmi ces accusés, une seule personne a été arrêtée devant vous, vous avez la preuve, ou séquestrée dans l'événement de stade 28 septembre et au stade du même nom. Parmi les accusés. Devant vous, vous avez la preuve. Hagé yama na rien à béki. Ndékeren na yama na hamirinde sou asara gata yi forme na ma séquestration. Itan colon sotona. Le stade 28 septembre. Sadma. Bon, colonel Kegoro, lui, j'ai entendu parler de lui. Ah non, il y a un gardien qui a été en train de se Donc leur garnison qui faisait du sacrifice aussi. Il veut savoir est-ce que il y a eu des gens qui ont été séquestrés. À rapport avec le 28 septembre. Avant les 28 septembre finara. Ouais, ça l'a mis que Est-ce que vous avez qui a celui qui a fait? C'est ce qu'il veut savoir. Ndé. Après, j'ai vu d'autres aussi dans la prison du garnison. Président de la République. Donc, j'ai entendu là-bas que c'est le président de la République. C'est bon. Vous avez dit tout de suite que vous n'avez pas été au stade, non? Il n'a pas été au stade. Il n'a pas été au stade.
passé devant la porte, je ne suis pas. Et je dis, devant vous, on a arrêté qui devant vous au stade? Il y a un passage, mais j'ai déjà répondu à cette question. Je ne suis pas arrêté, je suis passé même. Alors, comment vous pouvez dire alors, tel a arrêté au stade et vous n'étiez pas présent? Donc, moi, je suis passé. C'est colonel Tchego qui m'a indexé et les militaires-là m'ont poursuivi. Je veux me faire comprendre. J'ai dit, est-ce que, comme vous n'avez pas été au stade, ou bien vous avez la preuve qu'on a arrêté quelqu'un au stade? Sur quoi alors vous allez dire que Tchego a arrêté quelqu'un, vous n'avez pas été? C'est à sa base. Donc, à ce moment, on l'avait fait sortir parce que là où il était, son bâtiment était mitoyen à celui de Claude Pivi. On l'a fait sortir, on l'a envoyé à la rentrée de Calfaire. Et en ce qui concerne le viol, on a violé l'une des femmes victimes dans ce, malheureusement, l'événement de Star 28 septembre devant vous. Et vous pouvez attribuer ça à quel accusé de ce groupe? Non, donc moi j'ai entendu que c'est Begré qui a fait. Mais vous n'êtes pas témoin, vous avez entendu seulement. Maître, je l'ai entendu. Voilà. Et au même moment, en ce qui concerne le vol, ils ont pillé qui devant vous? Le nom d'un seul accusé dont vous avez la preuve. Ils n'ont pas volé devant moi. Ils n'ont pas brigandé. Ce qu'on a passé, c'est ce que j'ai expliqué comme ça. Et en ce qui concerne l'assassinat, on a tué quelqu'un devant vous? Non, face à face. On a blessé devant vous? Non. Vous avez vu un seul cadavre, un corps? Il faut le tourner. Non, ton téléphone non qui. J'ai vu ça dans le téléphone. Non, Claude Pivi, à ça fait, après ça, présent Moulam, il n'a qu'à filmer. Donc, j'ai vu Claude Pivi mettre ça pour non. Parce que le président n'a pas confiance de filmer. Où se trouve ce que vous avez vu au téléphone? Il n'a rien au téléphone en Amindé. Et sans qu'à la faire en Anamma. Hein? Ils ont tué Sankara à cause de téléphone. C'est à cause de ça ils ont tué Sankara. Non, vous avez vu dans le téléphone. Et dans ton téléphone. Ah, Mikel Nanabenu, Nathan Inselebadi. Je n'ai pas connu un gardien de la. Il s'appelle Oumar Silla. Il ose Yimbayane. Il y a quelqu'un qui peut me témoigner. Il s'appelle Oumar. C'était un garde-corps au général. Lui peut me témoigner. Voilà, Ntofa, parce que Nathan Koula n'a Yimbayana. C'est bon. On va se comprendre. La mort de Sankara, c'est autre événement, ce n'est pas lié au stade 28 septembre. Sankara va faire mourir 28 février. Thomas sera avec Claude Pivi. C'est bon. C'est quand Dadis a été attaqué, quand Kundara, après Sankara, il a mort. Mais ce n'est pas lié aux événements du stade 28 septembre. Dadis, vous n'avez pas vu au stade un seul corps. Maître, j'ai déjà répondu à cette question. Non, si, il a vu un corps. Ce n'est pas dans le téléphone. Je veux savoir, vous, personnellement. Vous avez ramassé un corps? Il faut rendre ma tongone. Il faut rendre ma laine. Ah, Dieu? Non. Ramassé. On a pris un corps devant vous? Il faut rendre tongone. J'ai déjà répondu à cette question. Non, si vous n'avez pas pris, mais si on a pris un corps devant vous, Évoluons.
Vous avez été à la morgue? Il y en a une morgue? Non. Non. Vous connaissez la tombe de personnes disparues? Et Gabourou Colon? Et Gabourou Kedéana Randéna Colon? J'ai déjà répondu à cette question, mais. C'est important parce que c'est vous qui êtes au courant de tout. Une autre question. Moi, ce que je ne comprends pas, vous parlez de la, comment dire, des victimes, on dirait que c'est le même jour de l'événement que le corps a disparu. Et vous n'avez jamais été à la mort. Ah, nous la tagué sur la rive, Faray Rafi Falama. Allo, Arabar, n'a le roi Kirinine. Avali, itangundi morgoli, l'osanya kere. Maître. Ce n'est pas une question. Où se trouve le corps enterré? Où, monsieur Joly? Parce qu'on a tout entendu de vous. Certainement, on a dit devant vous, va les enterrer ici. Vous avez l'obligation de nous aider maintenant, parce que vous connaissez tout. Où on a amené le corps? Moubara Febiri Mera Fouré n'a amené. Bah, il fallait que nous ayons dit, non, ma fallait y avoir, on a dit, ah, Fouré Mindé. Je n'ai pas. Non. Vous avez, vous devriez dire où se trouve le corps. À la mer, à Fouré, à Fouré, Colomb. Vous regardez, monsieur le procureur. Mais c'est joli pour ne pas abuser de la passante du tribunal. Et vous êtes témoin de quelle infraction à la charge de nous accuser ici? Ah non, parce que c'est le ministère public qui vous a envoyé pour démontrer l'une de ces infractions. Tout ce qu'on vient d'énumérer, de mettre BA à mes questionnaires, vous êtes témoin de quelle infraction, effectivement? Non, le tribunal, là, étant. Ino ma sede nyongoya badi kanari munduma na kana bari ya wari bayi fari na nam maître na ko ndan nam fala gele je ne pas répondre à cette question. Je n'ai pas à répondre à cette question. De début à la fin, si on tient compte de l'ensemble de vos variations, est-ce qu'on ne doit pas vous poursuivre pour faux témoignage? Qualifié à folé hena de nan de ki khuy ma galam buye na khira barbe. Est-ce que monoma fala de sede nyongoya kobi na mbafe sari ya mulam mes ko sede nyongoya kobi ma en application de l'article 435 du code de procédure. Yereling kemenan tongo sa hanun solo fera fala kinara. Maître, na ron ko le stade 28 septembre rafi. Na non fala ne ki. Maître, ce que je connais du stade 28 septembre, c'est ce que j'ai dit. Non mais nous, l'infraction, les infractions commises au stade 28 septembre, vous ignorez tout. Ala montan fi na. Et quand une déclaration paraît fausse, c'est du faux témoignage. On n'a même pas dit si c'est faux. La question, s'il vous plaît. Non, il faut qu'il nous dise. Il a répondu à ça, une autre question. Non, il n'a pas répondu. S'il peut être poursuivi à cause de ces variations pour faux témoignages. Une autre question. Je m'en remets à votre sagesse. Ce témoin, je termine avec lui. Je vous remercie. Bonjour, maître. Vous l'avez éteint, voilà. Allez-y. Bien. Je voudrais, avec vous, un partenariat d'écoute, de précision et des réponses également claires et courtes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non, on va mener Wanga au Mawali Bure. Wanga Araba la Rihera. Ma seigne nous yabi dunke. Nous n'avons pas bien yabi. Est-ce que Arabaratin Nara? Oui. Oui. Bien. Monsieur le Président vous a rappelé le premier jour de votre déposition. Est-ce que vous savez que tous les acteurs de ce procès, y compris vous, témoins, nous avons l'obligation d'apporter des éléments crédibles, clairs et précis pour permettre au tribunal de rendre une bonne décision. Allô, président Massenki, n'aie pas de problème, n'aie pas de problème, n'aie pas de problème, n'aie pas de problème. Il faut que nous ayons un problème, pour que nous ayons un problème, tribunal m'a lidé, fait fire, il faut que nous ayons un problème. Arrêtez-vous.
Oui. Oui. Bien. Et pour asseoir sa décision, le tribunal, en plus de sa conviction, a besoin des preuves. Et la conquête de cette vérité a commencé par l'audition des témoins. Ma tribunal a quand un tiers a besoin de a hataï refé na hamma, igé hambi la kaldi, a wama fé na ngoma, c'est d'ignoya, yati yati no masordi na rek. Maître, ce n'est pas une question. Bien. Est-ce que vous savez alors que, en tant que témoin, pas victime, vous avez l'obligation de répondre aux questions qu'on vous pose? Vous n'avez pas de choix, est-ce que vous le savez? Arrête, colon. Il te faut faire, c'est d'ignoya, rabadébé. Kita ya agbeta yomuna enu magori na kan telire la maneka ya bi akhe na kolo nti be na namo je suis là pour ça. Bien, de votre première intervention jusqu'à ce jour, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous avez opposé à plusieurs questions un refus catégorique? Akabi sa folo bi hein sa tire de nande ki akhe barati ou à ma roi bébé nana et moutengene ya bidébé. Ah, maître, n'a pas encore n'a pas la ce que je connais, c'est ce que j'ai dit. Face à certaines questions, je cite le terme, est-ce que je me trompe? Vous avez dit, je ne réponds pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ah, ou à ma roi yindé, à moi attendre, mais je ne réponds pas, ma ya bima. Posez une autre question. Oui. Est-ce que vous pouvez poser des questions même pour qu'on puisse évoluer maintenant? Voilà. Et est-ce que vous savez également que vous avez l'obligation d'être sincère? Posez une autre question. Bien. Est-ce que, selon vous, en tant que témoin, si vous refusez de répondre à des questions, si vous vous énervez, selon vous, est-ce que ces comportements sont pas de nature à affecter la crédibilité de ce que vous dites? Kanamara ina kay bon yerati ma kharinde ma est-ce que namuyra c'est de royal la kam fum ma kay. Posez une autre question. Bien. Par rapport à mon client colonel Moussa Tigourou Camara, est-ce que vous pouvez apporter la moindre preuve, une quelconque prise de contact avec lui? Aka ataka kriya Moussa Tigourou inoma fadi seigneur de nyoyan dira wotanu na kha nyusi a sede nyoya fa khuru ke ki rafara ape wotam feeling wo nyusi khne mge allo no ma tongodi je na droit ma kondi na ngoyma ex ministre de la gestion des territoires no ma tongodi na tam. Je peux prendre par exemple ce général Abdraman Kondi. Kondi. Voilà, non, non, ma femme, non, ma question de Sadabou Mafra, oui, aïe la banane, oui, aïe la banane. Bon, si cela est là, je peux lui poser des questions. Il dit là, oui, il a fait ça, il a fait ça chez moi. À mon colonne, il ne me connaît pas, hein. Mais non, ma femme, d'Alicien, non, non, oui, à Namoule. Bon, il veut, mais il peut venir pour tenir, pour certifier l'animal qui était chez lui, là, si l'animal là n'a pas disparu. Oui, n'a-t-elle, Alina, elle est terminée, ou club, club, il va faire. Dans l'histoire, on a fait suite de John Sorola, où tu es général Draman Kondi, a passé à sa grâce à lui et à Ebar Pividamini. Mais nous, Pividamini, la nation. Il est venu avec Kopi pour venir tuer à Draman, parce qu'ils ont fait sortir Pivi. Mais il est parti avec Pivi. Pivi. Après, il faut encore finir à tourner à Draman. Mais dans l'histoire, c'est lui qui a sauvé le. Donc, ils ont voulu le tuer avec leur fusil occulte, mais c'est l'animal-là qui l'a sauvé. Après, naturellement. C'est bon. Voilà. Donc. Je peux déduire, au regard de ce que vous venez de dire, que vous n'avez aucune preuve qui montre qu'il y a eu contact entre vous et Kone Tegro. Nananaki,
beaucoup de choses entre Je veux que le tribunal m'aide à ce que nous soyons affrontés. Parce que moi, j'appuie sur les fils, je n'ai pas déclaré ça. Voilà. Mais il ne peut pas. Hein. C'est bon. Bien. Et en répondant à l'une des questions de Maître Béa, à moins que je ne me trompe, vous avez déclaré qu'aucun des accusés n'a commis aucune infraction devant vous. Vous le confirmez? Maître Béa a yabindé. Ina ha na ye bilin na bi an na yo mu kanarin dira be ya hore a ga man barik bilin na senzen fala tira me to face à face mo pour donner l'instruction dans le fait manganse kana e fa organiser non face à face oui mais pour donner l'instruction pour manganse les choses oui les infractions qui ont été citées par maître Béa contenues dans l'ordonnance vous aviez dit que aucun des accusés n'a commis ces infractions. Il n'a qu'un ami n'a pas pris matenge maître Béa yira. Il n'a qu'à dire n'a cessé. Il m'a cessé la Béa hori. Et n'a pas fallu qu'un Béa. J'ai déjà répondu cette question. Il a déjà répondu à la question, maître. Ok, bien. Est-ce que vous ne vous voyez pas frustré en abordant les questions que pose la défense? Est-ce que mon frère Kongri, une défense a questionné Yabima? A mon fini rire à frère Kongri là? Je n'ai pas de réponse à cette question. Bien. Et un témoin qui se comporte comme une victime en se réservant de répondre aux questions. Est-ce que ce témoin, selon vous, peut être considéré comme étant quelqu'un qui est en train de faire une déposition crédible, selon vous? Anara, c'est une femme femme. Hakoro ma horinye ma horinye na re telemara. Est-ce que on a menacé de tongodé? Allô. Atanya lo alu fi atanan soto ese wonno bana sedi tongodi sedi horira sedi na ga ma horinye ya bi ni tima sedi na ga roba ma furugunda ga khone da ga est-ce que na no ma tongodi alu sedi sedi khagige je ne je peux pas de répondre cette question là. Bien, vous avez été au stade? Non. Bien, c'est que vous ne pouvez témoigner aucun acte posé au stade et à ses alentours, oui ou non? Une autre question. Vous-même, vous avez posé cette question déjà. Avec la permission de M. le Président, je vais donner lecture pour monter l'orientation de mes prochaines préoccupations de l'article 500. 14 du code de procédure pénale. Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés ou prévenus, soit sur sa personnalité et sa moralité. Les préoccupations suivante, Monsieur Touré, en dehors de votre qualité d'administrateur, je remarque que vous étiez un personnage convoité par presque les grandes personnalités. Quelles secret disposiez-vous au point de voir ces personnalités de vous rapprocher? Bafé administrateur Walida a amna khanna korosiri gimangé biling
Je n'ai pas de réponse à cette question. Bien. Puisque vous ne le posez pas encore à cette question, est-ce que vous pouvez dire au tribunal, au parti, même au public, le sens du port des cinq bagues que vous avez, les cinq bagues que vous avez? Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi nous avons donné une lecture de l'article 514. C'est l'enquête sur la moralité. Vous avez l'article combien? L'article 514, monsieur le président. 5 ou 7? 5. L'article 514. Allez-y avec une autre question. OK. Monsieur le président, monsieur Touré, connaissez-vous un certain Askia que vous avez tenté de tuer? Askia, un Libanais. Libanais. Ah non. Pas mon amour libanais. Il n'y a pas ce rapport avec les Libanais. Vous êtes combien dans votre groupe? Vous étiez combien? Si vous continuez alors, vous êtes combien spécialisés dans les démarches pour le recrutement clandestin? Le recrutement? Recrutement clandestin à la fonction publique. Dans votre réseau, vous êtes combien? Une autre question. Et un confrère l'a dit tout à l'heure, c'est extrêmement important, les questions liées à la moralité du prévenu et même du témoin. Je vous informe que vous avez dit que je vous informe que c'est un accusé qui est là, c'est non, pas témoin. Un prévenu, parce que la témoin. Disposition dont vous faites allusion traite des cas des prévenus. Je sais, c'est voilà, c'est pourquoi vous-même vous continuez à insister en disant prévenu. Monsieur Touré, témoin, monsieur Touré, vous avez déclaré le mercredi passé que vous êtes la descendante d'Almane Samoulo Touré. Quel message vous voulez lancer? Quel message vous voulez lancer? Qu'est-ce que vous avez dit? Il a dit qu'il est de la descendance d'Almane Samoulo Touré. Je voudrais savoir quel message il veut lancer. Une autre question. En vous exprimant durant votre narration, vous avez indexé avec vigueur les accusés. Est-ce que vous ne pensez pas que ces gestes visuels sont de nature à affecter et à prouver votre frustration? En tant que témoin, il y a la fin de ma. Est-ce que dans le modèle d'image, il y a un mérite à couille ou un mérite à se débarrer? Pourquoi? En voulant faire le mot, si ça me l'a dit, maître. Bon, si c'était pour moi, si c'était des mensonges, je n'allais pas oser m'arrêter ici. T'as quoi, non, dit l'homme pour la fille? C'est parce que je sais que j'ai la vérité que j'ai dit. C'est pour ça que nous osons. C'est pour cela que j'ai osé. Parce que là, t'as quoi, non, on va faire un ordre d'homme pour la fille. Parce que Dieu sait que ce que je dis, c'est la vérité. Et même ils savent que je ne les accuse pas. Voilà, et toi, on est que Bila Colomb. Là où ils sont assis, là-bas, ils savent. Voilà. Posez une autre question. Bien. Et monsieur Touré, en toute honnêteté, comme vous-même, vous aimez le rappeler généralement, est-ce que vous êtes capable de dire à ce tribunal que les infractions pour lesquelles ces accusés sont poursuivis et les témoignages que vous apportez, voici les éléments de preuve que vous disposez? Après, nous avons fait le tribunal B. Il fait une rance à Rouma. C'est de Nyoroyan, Ranetambe. Après, nous avons fait le tribunal B. Une autre question. Vous revenez sur la même question. Est-ce que vous savez? Oui, monsieur le président, c'est pour constater la constance du témoin. C'est ça qui justifie généralement que les avocats répètent
parfois une question sur plusieurs. Allez-y points. Avec une autre question. Bien. Et est-ce que vous savez que mon client connaît Tegoro durant tout au long de sa carrière, il n'a jamais fait votre connaissance. Arrête Colon, Tegoro a wali wali birinqui, ami tant Colon. Eh? Oh, il fait bagarre. Alors là, c'est grave. Ah non. Mais même ami tant Colon. Que lui ne connaît pas? Ah, yeah. Ça c'est effrayant, hein? Ah, c'est bon. Donc, vous êtes disposé à une confrontation avec lui? Non, mec, il le désire. Je ne pense pas que c'est si ton client a ce courage-là de venir de mettre devant moi. Je le connais comme ma pomme ici. Nous formulerons la demande après. Parce qu'ils ont voulu me tuer. Voilà. Monsieur Touré, oui. Vous avez eu affaire avec un officier des services spéciaux. Est-ce que vous pouvez dire ce qui s'est passé entre vous? Est-ce que c'est cela qui justifie votre réplique? Awa nous services spéciaux marine des faits au nom d'un tagi. Awa na officier, est-ce que nakamu ikai kewali birina? Non, officier Mumbi. Quel officier? Quel officier? Ce qu'il a fait devant moi, ce qu'il a, là, s'il faisait devant moi, c'est ce que j'ai dit ici. Et puis, j'ai bon. Caché beaucoup de choses. Hein. Monsieur le Président, pour terminer, la défense pour connaître Tegoro sollicite humblement la confrontation entre lui et le témoin monsieur Issouf Touré. Voilà. Et pour terminer, monsieur Touré, lors d'un sondage que je qualifie de bête, moi-même, est-ce que vous savez que même les médias, même le peuple, 90% des internautes n'accordent aucun crédit à ce que vous dites. Est-ce que vous le savez? Anara, tantôt il a corrosé une gamme rabare. N'a fin de ribare fuir une gamme radio. À nous on bore internet et nous sende. Et que me yo, que me tongo seulement un imoui qui gagne qui sait cela. Bon, on va pas en pousser. Quand on dit donc, tu me s'il vous plaît, est-ce que vous savez ça? Selon lui, que 90%. Arrête, Colon. Quel fait où ma radio est ma? Haha, internet est li. Il a guiné ka keme yo keme tongo. Tongo solomana ni mou yuis tongo si c'est là. Et à la bille matoma. C'est vous qui m'en a dit tout ça là. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur Issouf Touré d'Isoli, je vais vous poser quelques questions. D'accord, maître. Alors, il s'agira des questions de précision pour nous permettre de tirer des conséquences de ce que vous avez dit. D'accord, maître. Et nous attachons la défense de Toumba beaucoup d'intérêt à votre témoignage, parce que vous avez apporté de la lumière dans ces procès. Je commence. Vous avez eu à déclarer ici et à plusieurs reprises que vous avez connu le président Dadis entre 2000-2001 à travers Ousmane Conté. Vous le confirmez? Anara Ibara Falabé. Aouyahira est président de Dadis Colongri, Ousmane Conté Namfora 2000-2002. Non, c'est entre l'an 2000. Non, tout l'an c'était 2000. L'an 2000. C'est grâce à Général Baylo. Okay. C'est grâce à Général Baylo. Okay. Baylo, sa femme. Merci. C'est Baylo qui l'a envoyé chez Ousmane Conté. Ok.
c'est grâce au général Bayilo, que vous l'avez Bayilo, connu en 2000. Yeah, 2000. Très bien. N'est-ce pas la preuve que vous l'avez connu avant tous les autres accusés dans le box? Oui. Oui. Est-ce que vous vous rappelez également avoir déclaré ici que le président Dadis vous a rendu d'énormes services? Je ne peux pas chiffrer ça. Beaucoup. Alors, cela m'amène à vous poser la question suivante. En acceptant de venir dans ce procès, témoigner en dépit de cette générosité extraordinaire qui ne dit pas son nom de la part du président Dadis à votre égard, n'est-ce pas la preuve de votre détermination à venir dire la vérité et toute la vérité dans ces procès? Maître, je ne veux pas accuser quelqu'un. Je ne peux pas. Nous ne vous le demandons pas. Hein. C'est pourquoi vous m'avez rectifié tout à l'heure. Ça m'a fait plaisir. Hein. Voilà. Donc, ça veut dire que vous êtes là pour permettre à ce tribunal de se tromper, pour permettre à ce tribunal de rendre une décision de justice dans un procès, dans le cadre d'un procès juste et équitable. C'est pourquoi vous êtes là, oui ou non? Nanara ifari ala ko yaba tribunal manie bi hanwan di kolon ani kiti na gambolo ma ga vindi kiti la ri renana ala nanara. Effectivement. Très bien. Je poursuis. Vous avez eu monsieur Touré à parler d'un entretien que vous avez eu avec Pivi à propos de Toumba, lorsqu'il s'agissait de l'arrêter. Et vous dites qu'il était venu vers vous et il vous a dit qu'il voulait arrêter Toumba, que M. Dadis y était opposé. Et qu'il a dit, ben voilà, Dadis a donné l'occasion à celui que j'ai élevé, alors de m'humilier. Anara, Anara, Pivia Massenebe, Awane Toumba Soufé, M. Dadis Mouting. Anara falebe anara barato dadis baranie ntam mekina makhuru na khamayo dans son bureau avec Mahmoudou. Vous le confirmez? Oui. Et mambar gbele na sense bien. Voilà, c'est lui qui est le commandant de régiment. Voilà. Il a dit que c'est lui qui est le commandant de le régiment. Est-ce que vous vous rappelez que ces déclarations là qui sont en rapport avec la volonté de Pivi visant à procéder à l'arrestation de Toumba. Et face à quelle volonté le président Dadis a toujours fait preuve de réticence, est-ce que vous savez que vos déclarations-là se recoupent avec celles faites par Pivi? Est-ce que vous le savez? Anara, Irana Massing, Afalafé, Pivi Wane Toumba Soufé, Kono Dadis Moutimfé, Wana Karisa. Ananun Dadis Ram Nanum Pivira Masseni et Birin Kering, et ce qu'il a qu'il a rien à colo. Ah, non, non, il faut mettre. Ce que je connais, c'est ce que je connais. On a souffert, on a souffert pour le tuer seulement. Il le prenait, c'était pour le tuer encore. Mais lui aussi, il ne m'a pas écouté. Très bien, on va en arriver. Ne soyez pas pressé. On va devoir vous interrompre, maître. Okay. Voilà, on va suspendre l'audience pour 10 minutes. Ok, monsieur. L'audience est suspendue. Merci.
le tribunal criminel. Oui, oui. Bien, c'est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. CC Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Youssouf Touré. La défense a la parole. Merci, Monsieur le Président. Je disais, Monsieur Youssouf Touré, joli, que vous avez eu à faire des déclarations qui recoupent exactement avec celles faites par Claude Puvy en ce qui concerne sa volonté visant à faire arrêter M. Abakar Toumba et l'opposition, la réticence du président, alors face à cette volonté. J'y vais. Oui, oui, oui. C'est la question? Oui, bon, je voulais que vous lui dites ça d'abord. Après, expliquez-lui, traduisez ce qu'il a dit. Anara, il m'a enseigné Nere, il m'a enseigné. Il m'a enseigné, Pibira m'a enseigné Fahre, il m'a enseigné Falati. Anouama, ñaniñe na hanna be ha Toumba Sokhou afali sonon président d'Addis na fin di carrière tagi anaka ina kam falahi anu akbe falanara na rem bare boroma et vous me permettrez donc pour matérialiser ce que je viens de dire et en vous donnant lecture du procès verbal dressé sur commission rogatoire par la gendarmerie. Et tout le mati, il y a un procès verbal, la gendarmerie, c'est bien qu'il y a un débat. Voilà. Claude Puvy a dit ceci. Claude Puvy n'a pas. Et c'était à la page 4. Dans sa chambre à coucher, où j'ai trouvé le colonel Korka, ancien ministre du commerce, et le commandant Mandjou Djoubaté, directeur du bureau de la presse de la présidence d'alors, devant tout ceci, je lui ai exprimé mon désir d'arrêter Toumba et ses complices pour leur implication dans la stratégie, dans la tragédie, disons, du 28 septembre. Voilà. 28 septembre, il y a tout.
entre autres lieutenant Marcel. Marcel. Dans de ses propos, le président n'a pas voulu entendre mes intentions. Bien au contraire, il persistait à dire que Toumba était parti au stade pour protéger les leaders. Et si vous avez bien compris cela. J'ai bien compris. Voilà. Et le même Pivi dit dans le même procès verbal et à la même page, presque à la fin, in fine, il dit ceci sur SIR, de ce qui est de la présence de Toumba au stade. Je ne sais pas si c'est le président qui l'a envoyé ou pas. Seulement, je réitère, selon les dires du président, que Toumba serait parti pour protéger les leaders politiques. Est-ce à partir de ce moment où il a eu à faire des déclarations ici qui concordent avec celles faites par Claude Pivi, n'est-ce pas? Il est dans la vérité, il est en train de dire la vérité. C'est ça, non? Claude Pivi n'a pas fait, c'est pas la vérité. Ah, tout ce que Claude Pivi a dit aussi, ce n'est pas la vérité. Ok. Claude Pivi. Mm-hmm. Claude Pivi. Voilà, devant moi, avec le féchiteur même. Il fallait n'être pas ça, c'est quoi qu'on a dit. Ils ont dit devant moi, avec le féchiteur, d'aller chez Sekouba Konaté. Ah, parce que Sekouba Konaté était commandant de régiment à Dijon. Parce que Sekouba Konaté était le commandant du régiment à Dijon. Pour qu'il ait les beaux rimes. Pour qu'il arrive à s'accorder. Ah, on a un bel film pour arrêter le commandant Toumba. Pour que ce dernier leur donne la force pour arrêter. Je ne suis pas encore à ce niveau. Maître, vous m'étudiez quoi? Plein Pivi n'a pas là. Ce que Paul Pivi a dit, c'est que c'est passé devant moi. C'est pour cela, ce n'est pas ce qu'il a dit dans l'audition. Il n'a pas dit tout ça là. Maître, après, mais ce qu'on n'était pas d'accord pour ça. Mais c'est ce qu'on n'était pas d'accord. Et lui, il a dit ça en complot. La pétition lui-même, il a donné un autre courrier là. En asso. Donc ils ont conclu avec Denis, le féticheur l'a donné même des courriers à Grand Co. Avec Mahmoud Guilabogi. Avec Mahmoud Guilabogi, n'était pas seul. Et reste à Begbe. Avec vous à Begbe. Monsieur Touré. C'est bon. Suivez ce qu'il vous dit. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour vous rappeler tout ce qu'il a dit. Mais ce qui concorde, ce qui corrobore vos déclarations, c'est ce que j'ai relevé. Et si on se fait comprendre. Il a omis d'autres parties. C'est ce que je dis comme ça. Oui, je voudrais qu'on se comprenne. Il a dit d'autres choses. Moi, pour le moment, ce qu'il a eu à dire là ne m'intéresse pas. Hein? Sinon, ce que vous venez de dire, il a effectivement dit ça. Mais je ne vais pas revenir sur ça. On se comprend? Voilà. Donc, cela m'amène à vous poser la question suivante. Dès lors que le président Tadis s'est opposé à deux reprises, selon Claude Pivi, à l'arrestation de Toumba, au motif que c'est lui qui s'est rendu au stade pour sauver les leaders. Anaka a présenté du fait à rappeler à Toumba sur Sanya Fini. Palama a tendance à leader et sauver des stades. N'est-ce pas? Non, laissez-moi vous poser la question. N'est-ce pas la preuve que le président Dadis, en agissant ainsi, était lui-même convaincu de l'innocence de Toumba, même si par la suite il a ordonné
à Makambo de procéder à son arrestation. Ça veut dire qu'il est lui-même convaincu de l'innocence de Toumba, c'est ça, non? Oui, c'est. Oui, très bien, très bien. Et je voudrais savoir à présent, et d'abord, je voudrais une confirmation. Vous aviez dit, et ici, que M. Aboubakar Diakité dit Toumba ne prenait jamais au sérieux vos révélations, ce que vous venez vous dire en termes de complot que le président Dadis et son entourage étaient en train de préparer contre lui. Il n'a pas à commandant Toumba. Il fallait y faire et faire un grand rabot à Rambi. Il n'a complot n'a pas fait un fois un à faire la tembe à Tanya Mounoula Manara. Parce qu'il ne prenait pas en cause le président. Il vous a même traité de menteur, c'est ça? Il vous a même donné, s'il vous plaît, excusez-moi, il vous a même donné un coup de pied. Ah, non, osez n'a pas quoi. Moi, il n'a pas la vente, n'a pas trop. Donc, j'ai dit quelque chose, ça l'a fâché. C'est les CC qui sont partis le prier après. Et dans ces conditions, qu'est-ce qui vous anime à venir dans ces procès et à mettre à nu les complots qui avaient été formés contre Toumba, qui ne vous a jamais ménagé? Pourquoi? Il fait ça, un complot n'a rien à vous, mais il n'a pas de mabi. Après, il dit à ta moufière, à mouille ma soirée. Ah, nous sommes là, tout va être affaire. Bon, moi, je n'ai pas fait ça à cause de Toumba. Ah, Toumba n'est pas dans mon chemin. Moussa Kalina n'a pas. Les prestations sont de serment qu'on a fait, on s'est juré. Avec le président Dadis. Quand ils ont tenté aussi de m'assassiner, c'est ce qui m'a poussé de venir dire la vérité. Parce que si je refusais de dire la vérité ici, parce que je connais cela, ils vont me tuer après. Merci. N'est-ce pas, c'est le souci de venir dire la vérité et toute la vérité qui vous a conduit à venir procéder aux révélations que vous êtes en train de faire. On a fait bête yo kamara fa fe non di fala non di bring nanan anyeri wuruntu irafa be irafa c'est de yo araba. Ouais. Oui. Et pour éviter que des innocents soient condamnés. Nanan na kala ko na me condamné na rek be mayama. Ouais ouais, moi j'évite de pécher quoi. Ouais, moi j'évite le péché quoi. Très bien. Et d'après les mêmes déclarations que vous avez eu à faire ici, vous, il s'avère que vous avez connu tant bien que mal tous les accusés dans le box. Excepté Paul Mansa Gilavogi. Donc vous n'avez pas cité le nom ici. Je le voyais. Mais pour l'affaire du 28 septembre. Sauf si je l'accuse. Très bien. À mon avis, voilà. Il ne fait pas partie. Je vais juste savoir si vous maintenez que vous avez connu tant bien que mal tous les autres accusés. On se rencontrait au niveau du serré. Très bien. Alors, c'est faisant. Cette proximité que vous avez eue avec
la presse totalité des accusés ne fait-elle pas de vous un témoin privilégié, un témoin idéal, un témoin parfait dans ces procès? Très bien. C'est pourquoi d'ailleurs la défense de Toumba va vous poser des questions et toutes les questions sur tous les aspects de ces procès que vous avez abordés ici. Et ce, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité. Est-ce que vous vous rappelez que la défense de Dadis vous a posé des questions ici en vous faisant croire que vous auriez séjourné, vous auriez été incarcéré trois fois par rapport à des affaires pénales à la maison centrale. Vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Moi, ce sont des questions de précision. Après, on va passer. Oui, je me rappelle. Très bien. Vous vous rappelez également que ce jour-là, il ne vous a remis que la copie d'une seule décision. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Il a parlé de trois affaires, mais il ne vous a montré que la copie d'une décision. On va parler de toutes les trois affaires. Très bien, c'est bon, on avance. Alors, en ce qui concerne les deux affaires, moi je les écarte parce qu'aucune décision n'a été brandie ici, n'a été produite ici par rapport aux deux autres affaires. On est d'accord? N'est-ce pas la preuve que ces deux autres affaires n'existent que dans l'imagination de la défense de Dadis? Très bien. On continue. Par rapport à l'expédition. L'expédition, et nous en avons aussi reçu une copie. Il s'agit d'un jugement correctionnel, le jugement correctionnel numéro 710, et rendu le 21 juillet 2022. Je voudrais savoir, est-ce que, suite au prononcé de cette décision, votre avocat s'est-il fait le devoir, l'obligation de vous expliquer que vous venez d'être condamné à une amende de 2 millions au pénal et au paiement d'une somme de 100 millions comme intérêt civil, dommages et intérêts? Est-ce qu'il s'est fait l'obligation de vous donner ces informations? Est-ce que Guy Touraba est avocat? Est-ce qu'il veut savoir si votre avocat vous a expliqué le contenu de cette décision? Très bien. Monsieur Touré, on avance. Alors, Monsieur Touré, oui, maître. Est-ce que cette décision-là, avant qu'une copie ne vous soit remise ici à la
dernière audience, est-ce qu'un huissier de justice était venu vers vous pour vous notifier cette décision? Cela a été fait? Non. Est-ce que huissier de Fana n'a rien dit? Non. Très bien, très bien. Répondez à mes questions. Suivez ma logique, s'il vous plaît. Est-ce que le jour où on vous a remis cette décision-là, est-ce qu'on vous a fait état de ce qu'on appelle un certificat de non-appel et de non-opposition, comme pour vous dire que cette décision-là est devenue définitive, elle ne peut plus être attaquée? Est-ce que ce jour-là, nous, quand même, nous n'avons pas reçu, le tribunal ne l'a pas reçu, est-ce que vous, vous avez reçu ça? Est-ce que Ekeri Souleroy, il n'a pas un certificat de non-appel, ça veut dire qui tu peux te yomou bida rafora, qui tu yomou mokhorin ramasono, est-ce qu'il n'a pas un ébé? Toi, qui ça? Moi, quand tu as fait le jugement, un dossier vide. Ils ont dit que c'est un dossier vide. Après, il y a un procureur dans le bureau. Le procureur m'a appelé dans son bureau. Il y a un conseil d'abandonner Madame Mariam. Il n'y a pas de problème. Bon, il faut la dire aussi de ne pas me charger des choses que je n'ai pas. J'ai quitté le bureau. C'est comme ça que ça se passe. Le procureur est là, Dixine. Okay. Est-ce que votre avocat vous a informé de l'existence d'une voie de recours contre cette décision, comme pour vous dire que vous pouvez l'attaquer et que vous venez d'être condamné au paiement de 100 millions de francs guinéens à titre de dommage? Est-ce qu'il il s'est acquitté de cette obligation? Il s'est acquitté de cette obligation. Moi, le maître Keta que je connais comme ça là, qu'on me parle de 100 millions et qu'il n'arrive pas à penser, donne ça. Angate mané, amane, fosse fait à faire. Il faut que je donne. Maître Keta. Une fois encore, monsieur Touré, oui, je voudrais savoir, est-ce qu'il vous a dit que vous avez une voie de recours ouverte contre cette décision? Est-ce qu'à Falané, c'est ça? Du kiti dangi rambi, ino ma kiti kbeta ma horinde. A Falafé, imo tingi ira, ina gansa ari ou ina lemme. Ah! Quelqu'un qui va condamner, pourquoi m'en gambé? Ah, quelqu'un qui a condamné. Est-ce que votre. Me libère aussi, je vais. Monsieur Touré. Oui, mais monsieur le président. Après cette décision, est-ce que votre conseil vous a dit que si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez exercer les voies de recours contre cette décision? Ah, non. Est-ce que vous avez un avocat? Depuis qu'on a terminé, je lui ai donné un peu d'argent. Moi, je suis parti à la maison. Très bien. Est-ce que vous savez que cette décision qui constitue une expédition, qui n'a jamais fait l'objet de signification, qui n'a jamais fait l'objet de la levée d'un certificat de non-appel et de non-opposition, et qui n'est donc pas revêtu de la formule exécutoire, ne peut pas être considéré comme un titre exécutoire contre vous? Est-ce que vous le savez? Moi, je suis étonné. Très bien. Est-ce que, dans ces conditions, puisque rien ne prouve une expédition n'est jamais un titre définitif, et puisque, en pareille circonstance, il n'y a pas de titre définitif contre vous, est-ce qu'on peut dire que les faits de diffamation et d'injure, alors, et pour lesquels vous êtes censé avoir été condamné ici, est-ce qu'on peut dire que ces faits-là
alors sont déjà acquis et que vous ne bénéficiez pas encore de la présomption d'innocence. Nanana ki eske ayo gike di loufé sono amu gohan na boetambe sari ena kan na makara nyere ki ne ka tumura nyere na ki eske kuy mante yan de no ma fala de itambe sono afala fi ibara mi bero ibara khilikana a ti ki mo na beno procureur ya en déféré mané moi si je n'avais pas raison le procureur allait me déférer parce que procureur lui-même quand il a vu de preuve et moi quoi voyant la poursuivi et d'entraîner quand le procureur même a vu les preuves ils n'ont pas voulu poursuivre le problème ils ont dit de laisser c'est bon. Voilà. Est-ce que vous savez que cette décision elle date du 21 juillet 2022? Mais pour ce qui est de la date de la délivrance de l'expédition, elle date du 26 décembre 2023. Vous le savez? Woma kiti lo wona re kedi mu mini na lo wore bo ri mo ko enu fi dinara bo re ri mo ki ge ri mo ko enu senni akedi mini na nam mas ka fi tam maso kedi yo mu so fanta ma e to ga ti ki sa ni arrivé moi et to ga ti ki a ti ki sa le procureur ton na na so ara bureau ki c'est bon le jugement le procureur m'a envoyé dans son bureau. Je vais tout simplement vous faire savoir que l'expédition de cette décision n'a été délivrée que qu'à la date du 26 décembre 2023, soit plus d'un an après, et au moment où vous apprêtez à venir témoigner ici. Est-ce que vous comprenez cela? Anakadi mumini haranyere nyekere ndangihambi itamfawa fa fe bidwer na era parce que ñoy yaba parce que moi ma chekre na na muntagi nga fala c'est très bien faut montage et garabana très bien et moi quoi mundo na na muntagi nga fana fe fala. Donc ils ne veulent pas ce qui est entre nous comme secret que je dévoile ça ici. Voilà. Parce qu'ils ont tout fait. Parce qu'ils ont fait tout. L'entourage, c'est pas bon pour moi. Il a dit, il a passé partout, mais l'entourage, si je viens ici, c'est pas bon. C'est bon. Pour moi. Très bien. Est-ce que vous savez que cette expédition-là, c'est votre avocat qui a eu à communiquer cela à la défense de Dadis et qui a eu à la produire? Est-ce que vous le savez? Arrête, pour les rabots canangi qui a dit sur Dadis sera défense ira. Ihano ira farabi arrête kulun nana ba nagi. Arrête pour les rats qui a dit masoto sabo afadangi rabots cananna. Oui. Alors que c'est pas vous qui lui avez demandé d'aller vous faire délivrer l'expédition, une copie de l'expédition. Arrête ça qui a dit Tongo. Très bien. Moi, je n'ai jamais discuté avec Maître Ketara. Le Maître Ketara que je connais. Que moi, je paye une amende de 100 000 euros et que ce dernier ne me prend pas au coup. Ah, il a. Alors, dans ces conditions, pour quel intérêt? Alors, votre avocat s'est-il permis de délivrer, de remettre, disons, une copie de cette expédition à l'avocat de Dadis pour que celui-ci vienne s'en servir contre vous? Pour quel intérêt? C'est parce que je n'ai pas envoyé son quota et je n'avais pas accepté leurs conditions. Voilà. Très bien. Je vais continuer. J'en ai terminé avec cette expédition qui est à l'état brut et dont on ne peut rien tirer pour le moment. Et est-ce que vous vous rappelez des questions qui ont été posées ici par les défenses de Tchegoro, de Blaise Gomou et de Kalonjo, et à travers lesquelles on vous demande d'administrer la preuve de vos déclarations? Vous rappelez Kiegoro Kalonzo Ebere Renabuke Bitna Nerabuke Ira era fasé de Nyoya era wali ke wali mena kam fala tebi Ntan Kalonzo il sait, je ne connais même pas Kalonzo par exemple. Moi je sais, je le connais même pas. Na to ma Kiegoro non fora. Moi je le connais à travers ça fait, mais ana ça fala. S'il vous plaît, est-ce que vous vous rappelez que leur conseil, est-ce que ira tour era boka e ma warinye na retelera? Ah,
de rapporter la preuve de vos déclarations. C'est ça. Le président est ici. L'interprète, vous allez beaucoup nous aider dans ce sens. Est-ce que vous savez que